Aujourd'hui, on prépare les voies avant la réouverture du Tire-Bouchon, le fameux train qui vous emmènera sur les plages de la presqu'île de Quiberon. Bonjour Sébastien. Bonjour Evan. Bon, le Tire-Bouchon ouvre dans un peu plus d'une semaine. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ce matin? Nous procédons à la mise en service d'un passage à niveau. Des agents voies sont actuellement en train d'enlever la calamine sur le rail, de façon à ce que le train puisse passer en toute sécurité. Et en parallèle, nous avons aussi des agents du service électrique qui viennent vérifier les tensions au niveau des rails. La calamine, c'est la rouille en fait, c'est ça? Voilà, c'est une espèce de rouille qui s'accumule, sachant que le train n'a pas circulé pendant 8 mois. Barrière, ferme-toi! Et ouais, c'est la classe. Nous avons commencé depuis début mars. Des équipes voies sont intervenues pour remettre en place tout le système d'attache. On a aussi des équipes du service électrique qui sont venues remettre en service tous les passages à niveau, je dis bien faire un état de fonctionnement. On a des équipes qui assurent le débroussaillage et aussi des trains de mesure, un train de mesure qui doit passer mercredi, 2 jours avant la réouverture, pour voir si tout est conforme. Yann, on ne le sait pas forcément, mais il y a un tout petit courant électrique qui passe dans les rails au niveau des passages à niveau. Effectivement, Evan. Alors nous, on a un système de détection des circulations qui est en amont du passage à niveau. Lorsque le train arrive sur le passage à niveau est fermé. Et nous, notre job, ça va être de vérifier qu'au passage d'une circulation, la détection du train se fasse correctement. Parce qu'en fait, le but, c'est de s'assurer que la barrière ne s'ouvre pas quand il y a encore un train là où on est. Exactement. Exactement. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il y a carrément un aspirateur géant qui est venu enlever 8 tonnes de sable sur les voies. Ah, bah il en a laissé un peu d'ailleurs. Et voilà. Ça sent le renfermé ici. Ouais, ça fait 10 mois que ça n'a pas été ouvert. Alors qu'est-ce que vous faites dans ce local? Alors ici, c'est le poste d'aiguillage de Ploirnel. C'est le seul endroit ici sur la ligne où les trains se croisent, sur la ligne Auray-Quiberon. On fait toute la maintenance, on fait tous les tests de communication entre la gare de Quiberon et la gare d'Auray et Ploirnel. Trop facile le mot de passe. Fallait pas faire entrer. Ludo, t'es le directeur des gares de Bretagne. Justement, comment est-ce que les gares du Tire-Bouchon se préparent pour l'été? Ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est que toute l'année, j'ai un panel d'experts qui passent sur toutes les gares de la presqu'île. Ploirnel, c'est une gare qui vit toute l'année. Ici, on a un café, restaurant qui a été ouvert l'année dernière, qu'on a accompagné avec la SNCF. Et avec l'ouverture de la ligne du Tire-Bouchon, on va fort logiquement avoir un afflux de visiteurs. On ne pouvait pas conclure cette vidéo sans venir à la gare de Ray. Anne, tu es responsable du Tire-Bouchon. Il y a combien de personnes qui vont travailler sur la ligne cet été? Alors sur la ligne cet été, une cinquantaine de personnes, entre les conducteurs, les chefs de bord, les agents commerciaux, à la fois sur toute la ligne du Tire-Bouchon, entre Auray et Quiberon, sans oublier les techniciens au quotidien qui œuvrent pour le bon fonctionnement du Tire-Bouchon. Mes nouveaux collègues, quoi. Alors, est-ce qu'on est prêt pour la réouverture du Tire-Bouchon? Oui!